Salut tout le monde, c'est Ash. On se retrouve pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo sur l'ouverture de Booster Pokémon. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec ce magnifique coffret Dresseur d'élite, épée et bouclier. Donc, je sais que la nouvelle série Voix du Maître, Voix des Maîtres, là, est sortie. Je sais plus le nom exactement. C'est pas là. Et donc, du coup, j'ai pas encore de coffret de cette série-là, mais on va ouvrir ce coffret. Je voulais aussi vous montrer, juste avant, parce que je ne l'ai pas montré en vidéo, la petite carte Secret Gold que j'ai trouvée dans un paquet. Ok, donc on va ouvrir tout de suite ce coffret. Donc là, c'est le coffret Zamazenta. Et donc dans ce coffret, voilà, on a tout un tas de choses. Au lieu de faire la liste et de perdre du temps, je vais directement ouvrir le paquet. Et puis on va découvrir ce qu'il y a dedans. Ok. Alors déjà, on a un livret. Guide de jeu. Très bien. Découvrez le coffret. Ok, donc là, c'est des explications sur les Pokémon VMAX, etc. Ok. Ça explique les jeux, toutes les cartes de la série, etc. Ok. Très bien. Hop, on va tout de suite passer l'ouverture du coffret. Ah, bah déjà, alors elle n'est pas dans le même sens que la boîte. D'accord. Je vais quand même l'ouvrir dans ce sens-là. Ça me paraît chelou l'ouverture comme ça. Ouais, à mon avis, c'est dans l'autre sens. Ah ok. D'accord. Hop, alors. On a un petit code. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, déjà, on a des boosters. Voilà, des boosters épée bouclier. On en a eu 8 boosters. On va les ouvrir après. Je vais les mettre de côté. On a un paquet de cartes d'énergie. Ok. Il y a 45 cartes énergie, je crois. On va voir. Oh, ah, ok. Donc il y a un peu de tout mélangé. Très bien. Petit paquet de cartes énergie, ça fait plaisir. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cartes. C'est censé être. Ah oui, des intercalaires. Ok, c'est des intercalaires pour ranger nos cartes là dans le paquet. Ça va être super pratique pour pouvoir séparer les séries. Ça, c'est top. Ah, des petits jetons pour jouer, pour les effets. Effets empoisonnés, tout ça. Les blessures, la brûlure et poison, je crois, c'est ça. Donc, ça, c'est super cool pour pouvoir jouer au jeu de cartes. Super pratique. On a un petit jeu de dés. Hop, pour pouvoir mettre. Alors je vais l'ouvrir. Hop là. Je vais ouvrir celui-là aussi. Hein. Ah, elle est vraiment pas mal. Ils sont vraiment pas mal, hein, des petits jetons là. Hop. Ok, bah des petits dés hein, classiques là pour savoir qui commence à. Pour les lancer de dés et puis là pour les points de vie, ça c'est cool. Hop là. Et la dernière chose, des sleeves, des pochettes de jeu qui sont faites pour mettre notre deck pour pouvoir le jouer en tournoi. Parce que comme vous le savez, en tournoi, on est obligé de mettre des sleeves avec une face opaque pour pas ne pouvoir distinguer les cartes quand elles sont face sur le dos. Voilà. Bon, là, je vais faire un petit. Je vais déplacer un peu ça. Ok. Tac. Parfait. Ça. Voilà. Je vais mettre ça là. Et je vais ouvrir ces petits boosters. J'ai 8 boosters. Nickel. On va commencer par un petit booster épée bouclier. De Ronflex Gigama, VMAX. Hop là. Une, deux, trois, quatre. Une, deux. Voilà. Ok. Petit au piqueur. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Hop. Topiqueur. Grain dur. Poissirène. Roselia. Statitique, une énergie, un Limonde,
la dame du centre Pokémon, un poissier roi, un statistique en river, et en rare, oh, un gorithmique holographique. Ok. Voilà, déjà, c'est pas mal, ça. Déjà, c'est cool. Un petit gorithmique holographique. Ça fait très plaisir. Je vais me le mettre de côté. Hop. Je vais tout mettre de côté, de toute façon. Voilà. On va partir sur un booster low class. Gigamax. Ah, bah oui. Voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop là, Voltoutou, Wistempo, Charibari, Balbuto, Loupio, Énergie Eau, Moumouflon, Trio Piqueur, un petit échange. Oh, un Phasmilla en River, très joli, et en rare. Oh, un petit Fenard, très bien, petit Fenard classique. Très bien. Hop. Petite Dexamazenta. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Donc Roselia, Grindur, Krabi, Zigzaton, Tournicoton, Énergie Feu, un ballon, Poké Enfant, Aflamoire, Danuja en River et en rare, un Boumata. Ok, je crois que je l'avais pas celui-là. Ça va compléter ma série de épée et bouclier. Hop là. Un petit deck card booster Zacian. Bon, pour l'instant, on n'a pas de chance. D'habitude, on trouve des cartes rares à tout bout de champ. Et là, ce n'est pas le cas. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Un Poulpaf, un Moumouton, l'Arméléon, Watapic, Lavardar, Énergie Psy. Super Ball, une potion, un Rhinophéros, une carte échange en river et en rare, un Noirfang. Classico classique. Hop. Bon, j'espère qu'on aura plus de chance dans les 4 derniers boosters. Un petit Ronflex, une fois de plus. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop là. Alors, Goupix, Muna, Roselia, Kelocroc, Lavarvadar, énergie acier, recherche d'énergie, une rapid ball, un Megavolt, un super bonbon. Alors ça c'est cool en river. Ça c'est pratique à jouer, c'est super bien. Et en rare, un Drascore. Ok. Hop là. Bon, pas de chance sur cette ouverture de booster. Tac. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Galipat. Moumouton. Wistempo. L'Arméléon. Rhinocorne. Énergie Eau. Démanta. Coléodome. Bleuzeil. Oh, un Raichu en river. Ça, c'est cool. Et en rare. Un bel déneige holographique que j'ai déjà, mais ça fait plaisir quand même. Hop. Bon. On va pas avoir d'ultra rare, quoi, c'est dommage. Petit Pokémon V-Max, petit Dracaufeu Shiny, je ne sais pas. Hop, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hop là, Dunedja, Larvadar. Poissirène, Voltoutou, Rapion, Énergie Ténèbres, Pokématos 3, Simularvre, Blancoton, Rhinophéros en river et en rare, un Poltergeist. Poltergeist. Ok. Bon, le dernier booster, les gars. Hein. Le dernier booster. Croisons les doigts.
Va-t-on trouver notre carte vraiment rare dans ce booster-là ou pas? Une, deux, trois, quatre. Une, deux. Alors, Moumouton, Coquillasse, Cradopod, Dunaja, Chinchidou, Énergifeuille, Aflamoire, un écusson métal, une rapid ball, un petit Krabi et en rare, un lot classe. Je crois que je ne l'avais pas ce lot classe, donc tant mieux. Mais on n'aura pas eu de cartes ultra rares, tant pis. Bon, on aurait quand même pas mal de nouvelles cartes. On aura eu ce petit coffret pour ranger toutes les cartes. Les petites sleeves, ça fait plaisir. Les dés pour jouer, tout ça, donc ça fait plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça m'a plu de le faire en tout cas. J'aurai de quoi ranger mes cartes maintenant. Donc ça, c'est cool. Si vous voulez en voir plus et ne pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous. Mettez la cloche surtout pour pouvoir avoir les notifications, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ciao!